Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de revitalisation du district sanitaire de Mvumvu, vise entre autres objectifs le renforcement de la participation communautaire par la formation des membres des comités et des équipes de santé des formations sanitaires du 2e arrondissement Mvumvu. Chers participants, cette session est la vôtre. Veuillez profiter de ce moment pour améliorer l'engagement de la participation communautaire dans l'arrondissement de Mvumvu. Je vous exhorte à l'assiduité afin de capitaliser les notions utiles. En souhaitant à tous un bon travail, je déclare ouverte la formation des membres des comités de santé, des centres de santé de Mvumvu, Saint-Joseph et Mawata. Le docteur Livelem Adjono, médecin-chef du district sanitaire numéro 2 Mvumvu, souligne l'intérêt de cette formation au terme de la cérémonie d'ouverture. Dans le cadre de l'appui de la gestion de district, des structures sanitaires, l'OMS, qui est un partenaire, vient en appui au district sanitaire numéro 2 Mvumvu pour améliorer la qualité des soins. Dans le souci d'améliorer la qualité des soins, il est important d'assainir le milieu, c'est-à-dire que les environnements des formations sanitaires. Parce que sans assainissement, sans accompagnement, on ne peut pas avoir un rendement attendu au niveau des structures sanitaires. Rappelons que ce programme d'appui au district sanitaire de Mvumvu bénéficie d'un financement de l'Organisation mondiale de la santé.